moule à tourteau. Donc dessous, on fait une petite pâte brisée, on fonce ce moule. Ensuite, nous mettons les 25% de fromage frais qu'on incorpore un petit peu à la génoise, si vous voulez, avec les blancs montés en neige. On remplit le moule à ras-bord et là, on enfourne à 400 degrés. Du coup, ça grille sur le dessus. Et grâce à ça, en fait, le tourteau fromager va rester tout frais et tout moelleux pendant au moins une quinzaine de jours sans souci. Ce qui m'a attiré d'abord, parce que je viens d'arriver, c'était l'aspect physique. Et je ne pensais pas qu'il y avait du fromage à l'intérieur. Et le goût est assez agréable. Ce n'est pas quelque chose de fort. Et c'est quelque chose que je pourrais manger vraiment à n'importe quelle heure. Il y a des gens qui connaissent et des Parisiens qui viennent découvrir le produit, qui veulent déguster, ce qui est normal, qui achètent une bouteille et l'année d'après, on les voit revenir, qui vont en acheter deux ou trois, puis voilà. On voit vraiment toute la France, que c'est vraiment un très gros rendez-vous, le Salon de l'Agriculture. Donc nous, comme on fait le Salon depuis extrêmement longtemps, c'est un rendez-vous pour nos clients qui nous connaissent depuis longue date. D'autres personnes, justement, commencent à déguster le Château Simon et on laisse faire comme une potion magique. sont assez friands et donc reviennent nous voir les années après, en fait. On a pris de la crème double détendue avec de la crème fraîche, ainsi que du biscuit imbibé avec, non pas du café, mais avec du gin, du grand nez de Nérac, du gin parfumé lui-même à la truffe d'été. Donc le biscuit est imbibé, par-dessus on a mis un appareil avec des œufs du Lot-et-Garonne, de la crème double, de la crème fraîche, et tout ça est infusé depuis hier avec 1 g de truffe par dessert. Voilà, je vous fais goûter la saucisse sèche faite avec le porc du Limousin label rouge, un porc local label rouge IGP. C'est super bon. Vous savez bien que le Périgord, c'est un pays de cocagne. Vous allez y trouver du bison, de l'autruche, alors ça c'est très périgourdin, du poulet, alors les foie gras déclinés sous toutes leurs formes, les cabécous, les fromages différents. On a plusieurs sortes de fromages, de la brebis, de la chèvre, de la vache. Périgord est riche. Et puis les produits de rivière, donc effectivement, avec les truites fumées, avec les œufs et tout ça. Vous allez trouver tout ce qui est à la noix et tout ce qui dérive de la noix, avec les pâtisseries, les voilà. Vous allez y trouver la truffe, bien sûr. Vous avez vu ces magnifiques truffes que nous avons dans la vitrine. Vous allez y trouver donc la totalité des viticulteurs qu'on a amenés avec nous.